Solidia Technologies is a cement and concrete technology company, originally based off of an innovation from Rutgers University's Material Science Department, involving a non-hydraulic carbonatable binder. We've been developing applications for this since 2010. Solidia makes sustainable technology easy to adopt anywhere in the world using the industry's existing infrastructure, raw materials, formulations, production methods, and specifications. Solidia creates value for concrete manufacturers in several different ways, primarily through the fact that Solidia cement reacts with CO2 and not with water. This offers more manufacturing flexibility, reduced cleanup time, and increased productivity. Solidia cement also reacts very quickly with CO2, so the products meet their full strength potential in less than 24 hours, with what would normally take up to 28 days in a traditional Portland cement system. On the product side, there's several benefits associated with Solidia concrete. Solidia cement is lighter in color than normal OPC, meaning a manufacturer can achieve color combinations typically only reserved for costly white cement. There's also no calcium hydroxide produced as a byproduct of the reaction, calcium hydroxide being the primary culprit in efflorescence, meaning Solidia concrete products have improved aesthetics over time. Le ciment Solidia s'utilise de façon similaire à un ciment Portland standard pour ce qui est des formulations utilisées, ainsi que le comportement à l'état frais du béton, notamment pour la fabrication de produits sur presse vibrante. Par contre, la principale différence se situe au niveau de l'étuvage. L'étuvage standard des produits est remplacé par un étuvage au CO2 qui va nécessiter des adaptations importantes dans les usines. Cet étuvage dure jusqu'à 24 heures en fonction des produits. L'intérêt, par contre, c'est qu'au bout de ces 24 heures de cure, on obtient la résistance maximale du béton, la résistance finale, ce qui peut permettre ensuite de réduire les durées de stockage des produits dans les usines avant livraison. Des essais sont actuellement en cours au CERIV pour le compte de Lafarge-Holcim. Ces essais visent à produire des blocs et des pavés avec la technologie Solidia. Ces produits sont fabriqués sur la presse et la centrale à béton du CERIB, qui sont des équipements de type semi-industriel, assez représentatifs de ce qu'on peut retrouver en usine. Un dispositif d'essai pour la cure au CO2 des produits Solidia a également été installé dans les laboratoires du CERIB pour ces essais. Notre objectif est de produire des produits qui répondront aux spécifications des normes françaises et européennes. Et pour cela, les produits seront soumis à une caractérisation complète par le biais d'essais mécaniques et d'essais de durabilité. Nowadays, the main constraints of cement producers are their CO2 emissions and their CO2 footprint. Two-thirds of the CO2 is coming especially from the limestone used in the raw mix, and one-third is coming from the fuel mix used to clinker the cement. The main levers to reduce the CO2 emissions of cement players are well known. They can play on the clinker factor on one end and on the fuel mix on the second end. Another option to reduce the CO2 emissions is to play on the chemistry of the raw mix by reducing, in fact, the limestone that we are using in the raw mix. These last levers demand much more R&D efforts because we are completely modifying the chemistry of the raw mixes. Solidia cement represents an alternative to our existing cements nowadays. 30% of CO2 emissions can be saved during the production of this new type of cement in our cement plants. 30% of CO2 emissions reduction can be achieved with Solidia cement production because we use less limestone in the raw mix and we clinker it at a lower temperature. We usually clinker it at 1250 degrees C in comparison to 1450 degrees C for normal cement. Targeted mineral phases are completely different for Solidia cement compared to normal cement because we target volatilite and rankinite phases, which are carbonatable, in comparison to normal cement where we target halite and belite for hydration. Solidia cement can be produced in industrial cement kilns,
Up to now, LafargeHolcim has already produced 3 times 5,000 tons of this new clinker in existing cement kilns, 2 times in US and 1 time in Europe. As a conclusion, Solidia cement and Solidia clinker is really interesting for LafargeHolcim in order to be able to reduce our CO2 footprint. The 30% emissions reductions that we can achieve with Solidia is really interesting for us. Moreover, we bring a new solution, a breakthrough solution within the market, which enables us also to work closer to our clients. Aujourd'hui, on sait très bien que les réglementations à venir, typiquement sur l'expérimentation E plus C moins que nous vivons actuellement, que nous allons devoir réduire notre impact carbone pour le gros œuvre. Ça fait partie de nous, au-delà de nos ambitions, et bien forcément d'une contrainte réglementaire qui arrive et qui nous impose à changer notre discours, à changer notre façon de faire. Et Solidia, c'est aussi une opportunité pour nous de démontrer auprès de nos clients en France que nous sommes capables d'innover, capables de leur apporter des solutions face à des réglementations qui pour eux changent. Aujourd'hui, c'est une solution pour nous, Solidia. Ça nous permet indirectement ce carbone qui est créé lors de la fabrication du ciment, de le réintégrer dans le process de fabrication du béton. Solidia fait partie des réponses que l'on pourra apporter au marché demain. Nous avons plusieurs pistes sur lesquelles nous travaillons parce que nous ne pouvons pas nous focaliser sur une seule solution. Mais c'est une solution que nous suivons maintenant depuis de nombreuses années. Elle est typiquement applicable pour le marché de la préfabrication béton. Nous savons pertinemment qu'en préfabrication, on a un système d'étuvage à l'eau, entre guillemets, avec une hygrométrie maîtrisée et une température, va aider la montée en résistance du produit. On peut facilement imaginer demain remplacer ce système d'étuvage traditionnel par un système d'étuvage et de captage de CO2 Solidia. Et c'est ça l'enjeu de demain, c'est que finalement, cette technologie, elle est facilement applicable en France, même s'il faudra forcément des investissements.